Bah, c'est chouette, ça. C'est neuf, dis-moi. Penses-tu, je l'ai acheté il y a 5 ans. Ça se voit pas, hein. Toi, par contre, ton truc, c'est pas tout neuf, hein. Bah si, je l'ai acheté hier. Ah bon? Bah ça se voit pas. Au film. Buster, t'as pas un goût? Hey, yeah! C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est quelqu'un qui a dû l'oublier. Oh là là, la lue! Oh, comment c'est craignos! Oh là! Eh, hey, touche pas, ça doit être contagieux. Oh, c'est quoi ce truc? Eh, hey, c'est qui la marque, là? C'est quoi? C'est anonyme? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pas pour humains. Ça doit être pour des chiens. Ouais. Chiens d'aveugle. Oh là, mais qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Ah, pardon, c'est à toi. Bah oui, c'est une surprise pour demain, mais tant pis. Bon anniversaire, Serge. Ah, sympa, hein. Il est beau, hein, il est... Oh, il est coloré. Ouais. Comme c'est un vrai feu d'artifice. Ah ouais, une vraie gerbe, hein, de couleurs. Tu sais, je t'envoie souvent bouler, mais je t'aime bien quand même, Serge. En fait, j'apprécie l'homme, mais c'est le psy qui me fait peur. Oh, mais oublie le psy. Ne vois en moi que l'homme. C'est pas facile, hein. Mais c'est vrai que quand je te vois avec ce pull-là que je t'ai offert, tu m'es déjà plus familier. Ah bon? C'est déjà plus l'homme que je remarque, oui, oui. Bon, faut que j'y aille. Bon anniversaire encore, je... Oui. Allez, Jeanne. Oui. Oh, je vais me la faire. Eh, hey, tu vas pas rester comme ça, c'est pas cool, hein. Ah non, non, non. Ah non, non, moi je t'apporte pas le courrier, hein. Ou alors dans le noir. Ah ouais? Ouais. Eh ben, va falloir que tu t'y fasses. Ah bon? Parce que si Maître Cette Horreur me permet de me faire Jeanne, je ne le retirerai pas, tant que je l'aurais pas eu. Oh, mais ça, c'est un bad trip pour nous, ça. C'est pas cool, Serge. Oh là là, et mon Dieu, si vous existez, hein, faites qu'il la nique, hein. Et vite. Et Jeanne, c'est quoi cette histoire? Il paraît que t'as offert à Serge un pull un peu tout moche. Moche? Immonde, tu veux dire? C'est une horreur. Bah, pourquoi tu l'as offert, alors? Oh, bah parce que tu sais, c'est un ex qui l'avait oublié, puis tu me connais, j'aime pas jeter. Alors, si je peux faire plaisir et en même temps me débarrasser... Attends, mais je comprends rien. Serge, tu l'aimes ou tu le détestes? Bah, les deux. J'aime bien le personnage, mais l'idée de coucher avec lui, ça me... En fait, j'aimerais bien être sa copine, tu vois, mais j'ai peur qu'un jour, si je suis saoule ou déprimée, il réussisse à m'avoir, et alors là, le lendemain, je le regretterai. Pff, ce serait les boules, trop les boules. Bah oui, mais en même temps, si tu lui fais un cadeau, il va prendre ça comme un signe d'encouragement. Vince m'a dit qu'il voulait plus lâcher son gilet pourri. Ouais, mais alors, mais ça, c'est génial, parce que tant qu'il l'a sur le dos, cette horreur, je peux t'assurer que même saoule, je risque pas de succomber. Hé, hey, regarde, 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 hey. Ah ouais, effectivement. Tu comprends? Tout le monde se moque, Serge. Vas-y, enlève cette merde. C'est un cadeau. Oui, mais c'est un cadeau de merde. Oh, puis merde, t'as raison, oui. Qu'est-ce que je m'emmerde, là, avec sa serpillère, là? Tu parles que j'ai besoin de ça, moi, pour me la faire, l'autre pouf, là? Ah, je vais te dire. Je vais dire, pouf, oh, il fait chaud, c'est de la laine. Happy birthday, Serge.